Hey, salut, avant de commencer un truc, avant de commencer sur le projet banane, petite dédicace à celle qui partage ma vie en banane. Donc tu te reconnaîtras, hein, forcément, parce que tu m'as demandé de faire cette vidéo, enfin, la dédicace pour toi. Donc voilà, banane power, hein, banane land, tout ça. Donc celle qui partage ma vie en banane. Depuis 2 ans maintenant, 3 ans. Donc un délire personnel entre bananes. On se comprend. Voilà. Donc, forcément, projet banane, on y va, c'est parti. La banane fait brûler les graisses par une vitamine, enfin, qui s'appelle la choline, comment ça se dit? Choline, un truc dans le genre. Donc c'est une vitamine D qui fait que on grossit pas normalement. Ça là, ça permet de... Ironie du sort, ça permet de préserver et réparer les cheveux abîmés. Avec un masque. Donc ta banane est une composante de ce masque. Si j'avais su plus tôt, ça se passerait mieux. Selon une étude américaine, si vous mangez une banane pendant que vous êtes en dépression, vous irez mieux. Une étude américaine, hein, donc voilà, je sais pas. Testez. La culture de la banane existe depuis environ 500 ans de notre ère, et ça a commencé à Madagascar, en culture. Et il paraît que depuis moins 5000 ans avant JC, on commençait déjà à manger ça. Pour les gamers, voilà, idée, hein, si vous ne connaissez pas, il existe un jeu qui s'appelle My Friend Pedro, où c'est un jeu violent, complètement débile, super, super rapide. Moi j'aime bien, je kiffe grave ma barbe. Et en fait, l'ami Pedro, my friend, est une banane. Voilà. C'est un jeu complètement débile que j'ai grave kiffé ma barbe, franchement. On mange en France à peu près 9 kilos de bananes par an. Il existe trois types de bananes différentes: banane à cuire, banane à dessert et banane à bière. La troisième est exclusivement cultivée en Afrique de l'Est et ça sert pour faire du vin de bière. Et il n'y a pas d'export en fait, c'est que pour eux. Le bananier est considéré comme une plante herbacée et non comme un arbre. Il existe une cinquantaine de variétés, certaines sont pour la décoration, d'autres clairement pour manger. Et elle fait maximum 7 mètres de haut, entre 6 et 7 mètres de haut. Voilà. Ça fait une belle herbe. Il existe énormément de plats à base de bananes et c'est super bon. Seulement, si vous mangez un éclair à la banane qui est périmé depuis plusieurs jours, vous risquez une petite intoxication alimentaire. Je l'ai vécu. Dégage. Commence à me saouler celui-là. Les gens qui font du sport à plusieurs échelles de niveau savent que la banane, même une demi-banane, en fait, quand on a un coup de mou, sert bien pour rebooster le corps. Et c'est génial pour ça. Pour les gens qui sont en manque d'activité physique intime, que tu sois aventurier ou aventurière, tu peux très bien prendre une banane et te la planter dans le...